Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone. Aujourd'hui, je vous propose de tester le DJI Air 2S en photogrammétrie. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de photogrammétrie, c'est un procédé qui consiste à modéliser en 3D un sujet à partir d'un grand nombre de photos. Et le drone est un outil tout à fait adapté à cet exercice puisqu'on pourra prendre des photos aériennes autour du sujet qu'on veut recréer. Sur le papier, le DJI Air 2S devrait être tout à fait adapté à cette activité puisqu'il a un grand capteur d'un pouce et une définition de 20 mégapixels, ce qui devrait nous permettre d'avoir un sujet bien résolu à la fin. En termes de sujet, on va en traiter trois avec une difficulté croissante. Tout d'abord, ce sera une statue d'assez petite taille. Ceux qui connaissent ma chaîne ont l'habitude de la voir, donc c'est un sujet assez facile à traiter, mais ça nous permettra déjà de voir quels sont les résultats avec le Air 2S. Ensuite, on ira modéliser une tour médiévale, c'est le monument qui est juste derrière moi. Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué, c'est un édifice beaucoup plus grand et puis il y a une partie intérieure, une grande concavité qui n'est pas du tout éclairée. Donc là, ça nous permettra de voir si on arrive à bien reconstruire l'intérieur de la tour. Et puis, le troisième sujet, alors là, ça va être le sujet le plus difficile. On a tout, on a des concavités, on a du treillis, on a des escaliers. Donc c'est un sujet très compliqué en photogrammétrie. Donc on va voir si le Air 2S arrive à nous produire quelque chose de correct. Un dernier point, le Air 2S vient à peine de sortir, le SDK n'est pas disponible, ce qui implique qu'il n'y ait pas encore d'application tierce de Mission Planner pour gérer les trajectoires de vol en automatique et la prise de photos. Donc il va falloir faire tout à la main, comme d'habitude. Donc là, j'ai fait une vidéo pour expliquer comment on peut très bien faire la captation photo en manuel. Et c'est ce qu'on va faire donc dans cet essai. Avant de décoller, on va vérifier les paramètres dans l'appli. Pas besoin d'héros. Les JPEG, ça suffit. Je vais mettre en 3,5 pour utiliser le maximum de la définition du capteur. Histogramme, alerte sur exposition, il faut les mettre. Faire le ménage sur la carte SD. Voilà. Réglage manu, voilà. ISO, on prend toujours 100. Et puis le shutter. Bah, le shutter, on verra. Hein. On verra en l'air, c'est sur le shutter qu'on va jouer. Ce qui va être un petit peu contraignant par rapport à d'autres produits, c'est qu'on n'a pas la molette pour l'exposition. L'idée du vol, ça va déjà être de faire des mouvements circulaires en orbite autour de l'édifice, à différentes hauteurs, d'avoir des photos qui se chevauchent bien, ça c'est important, puisque les logiciels de photogrammétrie, ils ont besoin d'un chevauchement d'au moins 70-80% pour bien travailler entre deux photos. Et la difficulté ensuite, ce sera d'aller au-dessus et de photographier l'intérieur de la tour et d'avoir également plein de photos qui permettent de voir les façades intérieures en essayant de gérer au mieux l'exposition pour que ce ne soit pas brûlé à l'extérieur ou sur le dessus et qu'il y ait un peu d'informations dedans. Donc ça, c'est assez dur. Surtout qu'il y a du soleil. Allez. Alors, ce n'est pas le temps le plus idéal. Le mieux quand on fait de la photogrammétrie, c'est un temps couvert avec des nuages qui diffusent bien la lumière partout. Là, c'est pas du tout le cas, on a un petit voile, mais voilà, c'est quand même bien lumineux, donc on va voir une exposition qui sera plus variable. Allez, c'est parti. La bête est prête. Allez, on attaque. La captation se réalise en manuel dans DJI Fly, en veillant à bien recouvrir les photos entre elles et à produire une suite de photos continues. Le réglage de l'exposition est à ajuster pour chaque photo, le temps d'ouverture étant le seul levier dont il faut se préoccuper. Il se règle avec le curseur qui apparaît quand on clique sur Shutter. C'est un peu plus sensible et moins pratique que la liste déroulante qu'affichait le Mavic Air 2. Régulièrement, on tombe sur la balance des blancs qui est juste en dessous, ce qui agace un peu. En exposant le plus à droite,
En se plaçant juste en dessous de l'exposition qui commence à faire apparaître des hachures, on a la garantie de capter le maximum d'informations dans les ombres. Avec l'autonomie approchant les 30 minutes, on est assez large pour capter ce type d'édifice d'une traite avec une seule batterie. On a terminé la captation. J'ai plus qu'à revenir, il est là. Alors on en est où là? Ok, bon, on a fait plein de photos, super. Ce que je trouve un petit peu agaçant là, c'est quand on veut régler l'exposition, on appuie dessus, puis ça nous active la balance des blancs. Ça c'est un peu embêtant, on perd pas mal de temps. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas la petite molette comme avant. Vous avez vu, c'était assez sombre à l'intérieur, un peu surexposé à l'extérieur, donc il fallait toujours jongler à la limite, sachant qu'il faut surtout éviter d'avoir des zones surexposées pour le logiciel de photogrammétrie. Donc je vais injecter tout ça, on va tester dans deux logiciels différents, MetaShape et puis Reality Capture. Donc comme ça, ça nous permettra de voir si ça fonctionne bien dans les deux cas. Donc ensuite, ce qu'on va vérifier en termes de qualité du modèle, ça va être déjà la géométrie globale, le respect des formes. Et puis l'autre vérification, ça va être sur les mesures, sur les distances, pour voir si la mise à l'échelle est correcte avec le R2S. On remballe tout ça, je rentre à la maison, je charge les photos, et puis je vais faire chauffer l'ordinateur pendant quelques heures. Allez, je vous retrouve pour les résultats. Passons à la reconstruction 3D. Pour chaque sujet, nous procédons à l'import des photos, l'alignement, la génération du nuage de points denses, à la génération du maillage et des textures, puis à la production d'une orthophoto. Je ne remontre pas les étapes de ce processus, détaillées dans des vidéos précédentes que vous trouverez dans la playlist photogrammétrie de la chaîne. Ces traitements impliquent un ordinateur performant sur tous les plans, aussi bien CPU que GPU et RAM. La machine utilisée dans ces tests est équipée d'un processeur AMD Ryzen 9 3900X à 12 cœurs et 24 cœurs logiques. La carte graphique est une GeForce RTX 2080 overclockée et pour la RAM 64 Go de DDR4 à 3600 MHz. Malgré cette configuration musclée, la machine a tourné plus de 34 heures cumulées pour générer les trois modèles en qualité maximale sur deux logiciels différents. Je n'ai pas surveillé l'utilisation de la RAM en continu, mais les 64 Go n'ont pas été du luxe. Je reviens sur les photos, elles sont à injecter dans le logiciel sans traitement, tel que sorti de la carte SD. La distorsion étant évaluée et corrigée par le logiciel lui-même. Il est possible de capter en format DNG, mais cela alourdit considérablement la chaîne de traitement avec un rapport bénéfice-effort pas forcément favorable. Une évaluation de la qualité des photos calculées par MetaShape montre de très bons résultats, les scores sont proches de 1, et en tout cas bien au-delà de 0,5, seuil à partir duquel il faudrait écarter le cliché. Que ce soit dans MetaShape ou Reality Capture, le taux de photos alignées avec succès est excellent et proche de 100%. De plus, les photos ont été géolocalisées de manière cohérente. Le nuage de points denses nous permet déjà d'apprécier le futur résultat. Sur MetaShape, j'ai eu un peu plus d'arrière-plan colmaté sur le sujet. Mais le logiciel permet de faire le ménage dans le nuage de points denses et je supprime les points avec un très faible niveau de confiance. Une autre méthode intégrée à MetaShape consisterait à appliquer un masque pour ne pas tenir compte du ciel en arrière-plan. Le maillage nous confirme la qualité des rendus, y compris dans les zones moins éclairées. L'intérieur de la tour est bien reconstruit et le dessous de cet abri est remarquablement restitué.
Les garde-corps et treillis ne sont, sans surprise, que partiellement reconstruits, la faute n'étant pas imputable au drone, mais à la captation insuffisamment rigoureuse et la lumière très variable durant l'opération. Les mesures de distance confirment la justesse de la mise à l'échelle, avec un niveau de précision conforme à celui d'une captation réalisée sans point de contrôle. Les photos du R2S sont donc tout à fait utilisables en photogrammétrie pour modéliser des édifices avec une bonne résolution et une capacité à délivrer de l'information dans les ombres. Le résultat est d'un niveau similaire au Mavic 2 Pro. En pratique, l'absence de capteur anti-collision sur les côtés implique une plus grande vigilance lors des déplacements latéraux. Le réglage de l'exposition avec le curseur de DJI Fly est perfectible du point de vue ergonomique. L'ouverture non réglable n'est pas un inconvénient, soit pour la photo, vu la plage étendue de l'obturateur électronique. L'absence d'obturateur mécanique, seulement disponible à partir du Phantom 4 Pro, ne devient un handicap que lorsque les photos sont prises en déplacement rapide, ce qui est le cas pour le mapping de grandes parcelles. Je n'ai pas observé de conséquences de la focale un peu courte du R2S, la distorsion a été bien corrigée par MetaShape et Reality Capture. Malgré ces résultats encourageants, le R2S ne peut être aujourd'hui recommandé pour une application en photogrammétrie sans garantie de disponibilité rapide du SDK et ensuite des applications tierces capables de gérer le R2S. En conclusion, on vient de traiter trois projets différents avec le R2S en photogrammétrie. Il nous a montré ses capacités dans ce domaine. On va attendre qu'il y ait des applications tierces qui puissent gérer cet appareil en planification de mission automatisée une fois que DJI aura ouvert le SDK. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone.